Wow, 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 wow. Est-ce qu'on peut bien célébrer le Seigneur partout où tu es? Tu n'acclames pas un nom, mais tu acclames le Dieu vivant. C'est le pour qu'il te remarque et qu'il vienne, qu'il te touche toi, qu'il passe ton voisin et qu'il vienne à... Fais-toi remarquer. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers lui? Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Tous les amoureux, nos mains levées. Hosanna. Sois glorifié. Oh, oh Seigneur. Hosanna. Hosanna. Tous les amoureux, plus on y va. Élever ta voix et dis, je t'élève ce matin, je t'élève, tous prends l'eau, prends mon Dieu Père la place et reste roi. Au-dessus mon Dieu Père, de la confusion, de la mêlée, au-dessus Seigneur mon Dieu, de mes propres problèmes, je te donne à toi la place, mes problèmes ne prendront pas ta place, je te laisse la place. Règne, 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 nous te laissons la place. Je ne t'entends pas dire adieu. Prends ta place, prends ta place. Partout où tu es. Prends ta place, prends ta place. Hey! Maya, Tate Kayaba. Viens régner, viens régner. Que seule ta volonté soit faite ce matin. Seule ta volonté soit faite ce matin. Dis à Dieu, je veux ta volonté. Que c'est que tu as prévu de
as fait pendant ce temps. Prenne place. Prends ta 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 place. Bakaya Zatayama. Resayama. Prends ta place. Hey, la royauté dans tous les aspects. La royauté dans tous les aspects. Tu veux que le peuple règne dans tous les aspects. On ta place. Prends ta place. Oui, prends ta place. Oui, viens régner. Viens régner. Viens régner. Ah! Oui, viens régner. Kayama Sayabade. Te laissons régner. Viens régner. Nous te laissons la place, mon Dieu. Que ta volonté, mon roi, s'exécute. Qu'elle soit légiférée dans l'atmosphère de ces moments. Ta volonté, mon Dieu. Nous voulons vivre ton script. Ce que tu avais prévu. Ce que tu avais l'intention de faire. Que tu as l'intention de faire. Laisse que cela devienne, mon Dieu, notre script. Mon roi, que ça soit, mon Dieu, ce que nous vivons. Pas seulement que nous entendons, mais que nous vivons. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur et reçois sa volonté et son règne. Merci Jésus. Prends ta place. Prends ta place. Au nom de Jésus. Fais un peu voir. Il est là, on peut reprendre nos places dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Des moments glorieux dans sa présence. Et je suis convaincu que pendant cette semaine royale, avant la fin, tu vas rentrer avec une portion de la gloire de Dieu. Quand le temple était dédié pendant... Moïse a dédié le temple, la gloire est descendue et je crois que nous expérimentons de moments glorieux avec, tu vas prendre ta part et rentrer avec. Rassure-toi de prendre ta part de la gloire de Dieu, de ce que Dieu est en train de faire ici. Et je bénis le Seigneur pour mon frère, l'apôtre Ivan, pasteur Maud, que Dieu vous bénisse, pour cette grande vision et pour ce que Dieu est en train d'accomplir. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour la bénédiction que nous recevons dans la francophonie? Je les appelle une bénédiction, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. Nous savons que c'est une bénédiction. Et vous êtes une bénédiction que Dieu a envoyée à travers vous. Dieu est en train de toucher des milliers, des centaines de vies transformées. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait au travers de vous. Que Dieu vous bénisse, nous aimons beaucoup. Merci beaucoup, famille CC. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, il faut reconnaître quand on voit ce que Dieu est en train de faire à travers quelqu'un, tu prends le temps de reconnaître. Et d'ailleurs, quand tu honores ce que Dieu fait, ça descend sur toi aussi. Donc je te vois aussi en train de monter à un autre niveau de gloire. Où tu fais des exploits. Au nom de Jésus, des choses qui n'ont pas encore été faites dans ta génération, dans ta famille. Toi, tu deviens la première personne à les accomplir parce que tu as su honorer celui qui a fait un grand pas. Amen. Et merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes très honorés, mon épouse et moi. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous étions vraiment... Oh, j'ai dit que j'étais mon épouse et moi parce que ma chérie est là. Je l'appelle mon jardin d'Éden. Si tu connais bien la théologie, il n'y a que deux jardins que Dieu a créés. Un dans Genèse et l'autre dans ma vie. Lève-toi, peut faire un wave comme ça. Cette belle assemblée va te voir. Lève-toi qu'on te voit.
On voit pourquoi je suis tombé amoureux. Mon corps a commencé à battre drôlement. Merci beaucoup, c'est mon jardin d'Éden. Merci Seigneur. Non, c'est mon jardin. Ne va pas trouver un autre mot pour ta chérie. Ça, c'est mon jardin. Dieu m'a inspiré, je l'ai aidé. Voilà, donc trouve ton mot à toi. Voilà. Hier, nous avons été vraiment challengés, boostés, à entrer dans la dimension de l'Église qui se tourne vers l'extérieur. Nous étions vraiment touchés. Et l'apôtre nous a parlé d'être pas des volontaires, mais des missionnaires armés de la prière qui vont toucher la société des œuvres, avec des œuvres d'amour pour amener la prospérité de la vie, la prospérité de notre génération. Donc tu ne seras pas juste un simple volontaire, mais un missionnaire. Tu ne changes pas d'avis quand les choses se compliquent, mais tu sais que ça c'est ma mission. Et nous avons compris que nous sommes appelés à amener la prospérité. C'est que je te remercie. C'est à nous que Dieu donne cette mission, cette charge-là. Et mais il a expliqué que nous devons être armés de la prière. Et c'est de ça que je voudrais prendre cette partie-là et développer cette partie-là. Vous parlez de la prière de l'épouse. Et je vais vous parler de la dimension de l'épouse. Et comment la prière de l'épouse est efficace à vraiment te rendre témoin et conquérant. Nous allons aller dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, où je veux tirer un peu la base de mon enseignement. Apocalypse 22, chapitre 22, verset 17. Avant cela, je voudrais vous introduire juste quelques livres que j'ai amenés qui vont vous booster, vous révolutionner, vous pousser à devenir amoureux de Dieu. Il y a celui-ci, la contemplation qui te pousse à chercher Dieu jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent à le voir. Il y a la clé de David, ce livre, si tu ne l'as pas, en tout cas ta bibliothèque n'est pas encore complète. Vraiment, tu dois avoir ce livre-là, la clé que David a comprise pour amener la gloire de Dieu et la révolution des amoureux de Dieu, une révélation qui va te pousser à tomber amoureux. Et les autres livres qui sont aujourd'hui j'imagine au stand ou à la bibliothèque. La librairie. Excusez-moi, j'utilise certains mots qui sont anglophones, mais je pense qu'en français on dit librairie au lieu de bibliothèque. Voilà, c'est ça. Librairie, voilà. Donc parlons maintenant de la prière de l'épouse. Apocalypse 22, chapitre 17, la Bible dit « Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Dis un peu « Viens ». Dis encore « Viens ». Parle comme quelqu'un qui désire, dit « Viens ». C'est une requête de prière qui est spécifiquement faite par l'épouse. Parce que vous voyez, la Bible dit « L'esprit et l'épouse ». Donc l'esprit cherche une personne avec le cœur d'une épouse et il n'y a que celle-là ou bien celui-là qui peut faire cette prière ici. Tu dois vraiment avoir le cœur de l'épouse pour faire cette prière de l'épouse. Juste une seule requête, pas plusieurs requêtes. La requête dit simplement « Viens ». Nous développons, vous voyez, plusieurs relations avec Dieu. Tu peux développer la relation de serviteur ou la relation de fils et la relation d'épouse. Tout dépend de la révélation que tu as reçue et comment tu décides de marcher avec Dieu. Et donc, la révélation va te pousser à te positionner d'une certaine manière et établir une relation avec Dieu par rapport à la révélation que tu as reçue. Alors, ce que tu reçois de Dieu dépend de la relation que tu établis avec lui. Pas nécessairement de la prière que tu fais, parce que même la prière que tu fais dépend de la révélation que tu as reçue de Dieu. Les choses que tu demandes à Dieu dépendent aussi de ta maturité et de comment tu as compris Dieu. C'est pour ça, par exemple, que l'enfant prodigue, on se moque de lui souvent, mais je pense que l'enfant prodigue avait compris certaines choses de son père que son grand frère n'avait pas comprises. Par exemple, l'enfant prodigue savait qu'il pouvait aller prendre son héritage et demander cela. Il savait qu'il pouvait le faire. Et quand il est revenu, son grand frère s'est fâché. Il a dit à son père, « Je t'ai servi depuis longtemps, tu ne m'as rien donné. » Et son père a dit, « C'est parce que tu n'as pas une très bonne relation de qui je suis. » Ton frère savait qu'il veut recevoir. Mais toi, tu penses que tu dois travailler jusqu'à ce que tu vas recevoir. Donc, tu as encore la mentalité d'un serviteur. C'est pour ça que tu continues à attendre un salaire. Mais le fils savait qu'il pouvait accéder à ce qu'il ne faut pas m'énerver.
Le fils donc savait qu'il y a une dimension, il y a une révélation. Quand c'est que tu comprends ou tu reçois de Dieu, que j'allume, merci. C'est que tu comprends ou tu reçois de Dieu, dépend de ce que tu connais. Ça veut dire maintenant qu'il faut avoir une bonne révélation. Et la révélation est toujours par degré. Donc tu augmentes en révélation. Plus tu comprends, plus tu manifestes Dieu ou plus tu reçois de Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc l'enseignement donc est très important. Ne négligeons jamais l'enseignement et ne te dis pas que tu as tout, tu comprends tout. Il y aura toujours des dimensions de Dieu que tu vas encore découvrir et ces dimensions vont faire que tu vas continuer à briller. Vous voyez la dimension, c'est que tu comprends de Dieu, permet que Dieu soit plus à l'aise dans ta vie. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 15:15, Jésus-Christ dit ceci: je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Il dit le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Autrement dit, quand tu reçois une certaine révélation, tu vas développer une relation qui permet à Dieu d'être à l'aise dans ta vie. Vous voyez, Dieu doit mesurer et voir à combien tu as compris de lui. Comme ça, il peut te montrer et tu ne seras pas choqué. Parce qu'il y a des choses que si Dieu fait et que tu n'as pas compris, ça peut te choquer. Par exemple, quand Jésus est venu, Jésus était à l'aise et il est venu marchant sur l'eau. Mais quand les disciples l'ont vu marchant sur l'eau, ils étaient choqués au point, ils ont même dit qu'il était ghost, comment on dit ça, fantôme. Donc, ils n'étaient pas habitués à cette dimension-là de gloire. Alors, c'est que Dieu veut. Il veut que tu montes à un niveau de connaissance où quand il manifeste une certaine dimension de gloire, tu n'es pas choqué. Et tu ne dis pas que c'est la sorcellerie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est temps que l'église atteigne un niveau qui fait que même les sorcières, on les prend comme des guignols. Ils ne connaissent rien, ils ne savent rien. On va les faire ce que l'église va amener. Une dimension qui fait que ces gens-là ne sont... Vous voyez, on doit grandir, vous voyez. Moi, je crois que nous atteignons la dimension qui permet à Dieu d'être très, très, très à l'aise. Il y a des choses que Dieu fait avec réserve. C'est pour ça qu'il dit aux disciples, vous voyez, aussi longtemps que vous êtes serviteur, je ne peux pas me dévoiler comme il faut. Ah, vous m'ennuyez. Les gars, vous m'ennuyez. J'ai envie d'être à l'aise et me dévoiler, mais je ne peux pas le faire. Donc, je réserve certains niveaux pour des gens qui sont amis. Quand vous allez dans la parole de Dieu, l'ami c'est l'épouse, je n'ai pas le temps d'expliquer. L'ami c'est l'épouse, ça veut dire qu'il y a moyen d'être très 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 à l'aise au point où je peux me déshabiller et tu n'es pas choqué. C'est une intimité sans barrière qui me permet d'être tellement à l'aise que tu peux voir tout de moi sans être choqué. Mais un serviteur ne pourra pas accepter de voir le patron venir sans habit, il sera choqué. C'est pour ça que Dieu reste un peu couvert là. Il te laisse, il dit ceci de Moïse. Il dit, voyez mon serviteur Moïse, à lui, je parle bouche à bouche. Il ne faut pas m'énerver. Ça c'est quel genre d'intimité où tu es? Hey, bien aimé, cette Bible ici est dangereuse. La Bible est dans... Il dit, mon serviteur David, j'ai fait bouche à bouche avec lui. Je me révèle sans énigme. Mais aux autres, je viens habillé. Quand je viens, je me cache. Mais je cherche quelqu'un qui peut accepter une dimension. Une dimension. Parce que tu ne peux recevoir que... Tu ne peux manifester que ce que tu as reçu. Ce que tu as vu dans le lieu secret. C'est ce que tu vas manifester. Il te faut donc voir un niveau de gloire qui va scandaliser le monde. Et moi, je crois que c'est là où nous sommes en train de partir. Un niveau de gloire qui scandalise le monde. Un niveau de gloire qui ferme le ciel et qui peut l'ouvrir à n'importe quel moment. Un niveau de gloire qui dit il n'y aura pas de pluie et il n'y a pas de pluie. Un niveau de gloire qui dit maintenant il y aura la pluie et il y a la pluie. On décide le climat. C'est nous qui disons aujourd'hui il y aura pluie. Et quand on dit arrêtez, vous arrêtez.
parce que nous avons atteint le niveau de gloire. Vous savez que même le gouvernement, à un moment, il sait que certaines choses, il n'y a que l'église qui peut faire. Akab est allé dire à Élie, mais il n'y a pas de pluie ici. Et il lui dit, viens avec moi. Je vais à la montagne et je te dirai quand est-ce que la pluie viendra. Autrement dit, c'est moi qui décide pas le climat. Ce n'est pas ce n'est pas le bon climat qui décide de la pluie. C'est l'église qui décide de la pluie. Mais une église qui est sur mon Carmel. Ce n'est pas la bonne économie qui décide sur l'inflation ou pas. C'est l'église qui décide s'il y aura, si l'économie sera bonne. Nous sommes ensemble jusque là. C'est pour ça que le gouvernement n'a pas été donné au monde. Il a été donné à l'église. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Il a donné ça à qui? Il a donné ça à qui? Il a donné ça à l'église. Donc c'est nous qui décidons. Gifle quelqu'un, tu lui dis, décide un peu dans ta famille. J'ai dit gifle quelqu'un, on va arranger après. Dis-lui, tu décides dans ta famille. Allez, vas-y. Décide. C'est toi qui décides. Alors Dieu a besoin des amis, des gens à qui il peut se révéler. L'épouse ici représente une église qui atteint la maturité de répondre à l'amour de Dieu. Vous voyez, l'amour est un fruit de maturité. Et quand on parle d'église, Dieu parle d'une église qui a été développée et qui a atteint la maturité de répondre à l'amour de Dieu. Vous voyez, quand tu es sauvé, tu n'es pas en train de répondre à l'amour de Dieu. Quand le jour où tu étais sauvé, c'était tu fouillais les sorciers, les cauchemars et plein de choses qui te compliquaient et tu cherchais un sauveur. C'est pour ça que tu te sauvais. Donc au salut, tu n'es pas sauvé parce que tu aimes Dieu. Tu es sauvé parce que tu fuis quelque chose. J'ai mal parlé. Non, faut pas me regarder comme ça. Non, parce que quand tu donnes ton témoignage, tu ne dis pas j'aimais Dieu et puis je vais chercher le salut. Non, qui est d'accord avec moi? Non. C'était, j'ai dormi mal. Et le cauchemar. Et les soucis de famille. Et tout ça là t'a fait chercher Dieu. Ce n'était pas l'amour. Oh. Donc tu ne peux pas me dire que tu aimais Dieu quand tu te sauvais. Non, il n'y avait pas d'amour. Ça veut dire qu'à partir de ce moment là Dieu a commencé à faire un travail de te rendre mature. Je ne sais pas si on dit ça. Mature, c'est ça, te maturer. Comme vous voulez. Écoutez-moi très bien. Tu es né de nouveau, il n'y a pas encore d'amour. Et donc, Dieu doit te développer, mature. Il doit te rendre mature. Et donc, parce que tu dois atteindre le point où tu peux maintenant commencer à répondre à l'amour de Dieu par l'amour. Mais comme l'amour n'est pas au début, c'est Dieu qui va maintenant travailler, te développer à atteindre l'amour. Vous allez voir par exemple dans Ézéchiel chapitre 16, verset 7, la Bible dit ceci. Tu pries de l'accroissement. Là maintenant, je voudrais vous donner le contexte. Quand je parle de l'amour ici, je parle du contexte du mariage, l'amour ou bien d'une relation amoureuse. Parce que c'est vraiment de là que je voudrais expliquer. Quand Dieu parle de l'épouse dans Ézéchiel 16, 7, il dit, tu pries de l'accroissement, tu grandis. Tu deviens d'une beauté parfaite. Ici, il parle de l'épouse. Il dit, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Au verset 8, il dit, je passais près de toi, je te regardais. Et voici, ton temps était là, le temps des amours. Le temps des amours, c'est quand tu as atteint la maturité maintenant. Et la maturité de répondre à l'amour de Dieu. Donc, ce n'est plus un sauveur que tu es en train de chercher. Tu cherches un amoureux à qui tu vas, toi aussi, tu vas lui servir ton amour, tu vas lui donner ton amour. Ce n'est plus vraiment ce qu'il va faire pour toi. Maintenant, c'est ce que toi, tu veux faire pour lui. Pour m'énerver ici. Les prières des matures, ce n'est plus donne-moi, donne-moi. Ils ont déjà dépassé cette étape-là. Faut pas m'énerver. Ils sont plus là-bas. Ils ne disent plus donne. Ce n'est plus leur sujet. C'est maintenant qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je me donner? Comment puis-je t'offrir? Comment puis-je me sacrifier? C'est ça. Y a-t-il quelqu'un qui est déjà, qui a atteint la maturité d'aimer? Écoutez, les prières de donne là, ça c'est entre nous.
Ah, c'est en ligne. Bon, ça va aller. C'est les prières des bébés. Ce n'est pas mauvais, mais c'est les prières des bébés. Tout à l'heure, j'écoutais l'apôtre prier et dire amène la dimension de la maturité. J'ai dit, cette dimension, on l'entend même dans tes prières. Ton voisin peut savoir tu es à quel niveau. Quand tu entends prier, Seigneur, donne-moi. Et tu vois le mariage, et tu vois les finances, et tu vois. Ton voisin peut savoir où est-ce que tu es. Mais la prière peut révéler ton degré de maturité. C'est pour ça même que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Pourquoi? Pour satisfaire votre propre passion. Comme pour dire, quand tu pries, en train de dire, donne, dis, mais ça, c'est, tu révèles ton niveau. Mais moi, c'est pour ça que je crois que beaucoup de choses qui se passent maintenant autour de nous est en train de montrer à l'église ce qu'on doit faire. Comme l'apôtre disait hier, ce sont ces cris qui doivent nous montrer, nous. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Pourquoi? La Bible dit ceci. Observez les signes dans Matthieu. Dieu nous révèle, dit, si même tu n'es pas prophétique, si tu n'as pas les yeux ouverts prophétiquement, alors cherche les signes qui sont autour de toi pour savoir ce que Dieu est en train de dire. Donc les signes même révèlent ce que Dieu dit. Et quand vous voyez une société qui se décompose, ne me dis pas que Dieu n'est pas en train de parler. Le problème est qu'on devient aveugle. Quand tu es aveugle parce que tu es aveuglé par tes propres problèmes. Tes soucis t'ont rendu aveugle. Dis un peu mature. Je disais que l'amour, c'est le produit ou bien le fruit de la maturité. Jésus a dit qu'il va bâtir son église. Il est en train de développer l'église à atteindre la maturité. Quand il parle de bâtir, ça veut dire que l'église commence d'un état immature et il fait un travail de l'amener au point où l'église peut commencer à répondre à son amour et donc devenir mature. Je bâtirai mon église. Je vais développer l'église. Je vais former l'église. Je vais équiper l'église. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors n'oublions pas que Jésus est en train d'équiper, de former, de développer l'église. Et ici, je veux qu'on puisse savoir que l'église dont on parle ici, c'est l'épouse. Vous comprenez? Et donc, s'il est en train de développer l'épouse, d'équiper l'épouse, c'est pour qu'elle atteigne le niveau d'être amoureuse de lui au point où elle peut se livrer à lui. Nous sommes ensemble jusque-là. C'est le travail que Jésus est en train de faire. Une église glorieuse, sans rides, sanctifiée par la parole, Éphésiens 5, 26, afin de sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée et par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui, cette église glorieuse, dis un peu glorieuse. Alors la gloire qu'on parle, ce n'est pas les bijoux, ce n'est pas les belles voitures. Non, la gloire dont il parle ici, c'est quand il a enlevé tout ce qui empêche sa gloire de se manifester. Oh là là. Ah oui. Parce que nous, on insiste sur les choses que Dieu a données comme voiture et tout ça pour dire que Dieu t'a béni. Bien, même les païens ont ces choses et ils n'ont pas prié. Faut même pas me déranger. Dieu veut amener quelque chose qui choque. Il faut qu'on vienne te poser la question. Vous avez fait comment? Des gens comme vous, avec un bâtiment somptueux comme ça, on sait que ça ne fait peut être que le doigt de Dieu. J'ai aimé le sacerdoce. Le doigt de Dieu, Dieu met le doigt de Dieu. Montre un peu le doigt, montre. Dis un peu le doigt de Dieu. Ah! Non, fais-le bien. Montre que c'est Dieu qui a fait. Oh, je vois la gloire venir vers toi. Pendant que tu fais comme ça, là, je vois. Qui veut donner la gloire à Dieu ce matin? Qui va donner la gloire à Dieu? On se rassoit. Oui. Prochainement, quand on parle de toi, tu fais comme ça. Tu montres d'où ça vient. Dieu veut amener ce niveau de gloire. Un niveau de gloire qui va choquer le monde. Mais il sait aussi que la personne qui peut accommoder ça, c'est l'épouse. C'est pour ça qu'il prépare l'épouse. Il prépare l'épouse à manifester ce niveau de gloire-là. Cette saison, nous sommes dans une saison glorieuse. Je crois ça. Il ne faut pas négliger les saisons.
Vous voyez, je vous ai dit qu'il faut observer les signes. Quand dans la francophonie, on commence à voir ce qui prend place ici et ce que Dieu a fait, bien aimé, c'est un signe et Dieu parle, nous aussi. Dieu parle et nous montre aussi que nous entrons dans une autre phase. Dis à quelqu'un, tu es dans une autre phase. Laisse-le, il n'est pas en train de te regarder. Trouve quelqu'un d'autre, tu lui dis dans une autre phase. Il y a des gens qui ne veulent pas recevoir. Trouve quelqu'un qui veut recevoir, tu lui dis, nous sommes dans une autre phase. Et donc, ça devient important de comprendre le mystère de l'épouse. Si Dieu dit que l'esprit et l'église ou l'épouse disent viens, ça veut dire qu'on doit comprendre ce mystère-là. C'est qui cette épouse? Pourquoi il choisit de dire épouse au lieu de dire l'esprit et le serviteur disent viens? Il a préféré dire l'épouse. Ça veut dire que l'épouse a des caractéristiques qui permettent à Dieu d'être à l'aise. C'est pour ça qu'il choisit que cette prière ne soit faite que par l'épouse. Le jour de la Pentecôte, l'église qui naissait, c'était l'épouse. Donc le Saint-Esprit est venu pour développer cette épouse-là, à atteindre le niveau de maturité qu'il faut pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et n'oubliez pas que j'ai dit que nous allons de gloire en gloire, où nous sommes en train de grandir en maturité. Et donc un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Et ce sera l'épouse qui va enfanter ce qui va détruire l'ennemi dans nos cités, dans nos villes. C'est l'épouse qui va enfanter cela. La Bible dit, vous savez que c'est à l'église, c'est à l'épouse que Dieu a dit, ta sémence écrasera la tête du serpent. C'était à la femme. Donc Dieu sait qu'il y a quelque chose qu'elle a qui va écraser la tête du serpent, même dans ta famille. Tu portes, tu as ce qu'il faut pour écraser. L'épouse a ce qu'il faut. Et Dieu sait cela. Nous avons ce qu'il faut pour écraser. Elle amène un niveau de témoignage qui manifeste Dieu. Alors nous allons parler un peu de cette position ou bien les caractéristiques qui font que l'épouse, qu'est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce qu'elle a? La première chose, comme je vous ai dit plus tôt, c'est qu'elle a l'amour là. C'est cet amour que Dieu cherche. Dieu est impressionné par l'amour de l'épouse. Dans Jérémie chapitre 2, verset 2, elle me dit, voici ce que dit l'Éternel. Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. L'amour dont Dieu se rappelle ici, c'est l'amour de la mariée. Nous sommes ensemble jusque-là. Et donc, elle a un amour, une passion que Dieu est en train de rechercher. Il sait qu'elle a un cœur. Oh là là. Quand une femme s'attache à toi, hey, quand elle se donne à toi, non, non, non. Écoute, faut pas laisser une femme tomber amoureuse de toi si tu n'es pas prêt. Je ne sais pas quel groupe m'a bien compris là-bas. Ah, si elle tombe amoureuse de toi, elle va te suivre, même s'il faut dormir sur un arbre, elle va dormir avec toi sur un arbre. Elle n'aura pas de problème de haut, il n'y a pas quoi. Elle va te poursuivre partout. Elle va aller partout, elle te suivra partout. Une épouse passionnée. Donc arrête, frère, arrête de parler aux soeurs si tu ne sais pas que c'est elle. Bon, tu n'as pas, ici, là-bas, ils aiment ce que j'ai dit. Et là-bas, ils... Merci de me suivre là-bas. C'est pour ça que vous allez voir une femme. Tu sais ce monsieur? Non, quand le cœur est parti pour une femme, c'est parti. Et Dieu dit, voilà ce que je cherche. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune marié. La passion que tu avais là, c'est ce que moi je veux et c'est ce que je recherche dans l'épouse. Parlons un peu de aimer Dieu. Parce que beaucoup de gens pensent que aimer Dieu, c'est peut-être chanter. Non, chanter, c'est l'expression de l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. Ce qui fait que si tu peux chanter même sans aimer. Quand Dieu parle de l'amour, il ne parle pas de chanter. Il parle de... Aimer Dieu, c'est donner sa vie. C'est ça, aimer Dieu. C'est donner. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc aimer Dieu, ce n'est pas chanter,
c'est donné. Nous sommes ensemble jusque-là. C'est dans Genèse chapitre, dans Jean chapitre 15, verset 13. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc quand Dieu te devient ton ami, tu dois être prêt maintenant à donner ta vie. Et c'est de ça que nous allons parler. Donner sa vie. 1 Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Donc tu connais l'amour en ce que tu as donné ta vie. Alors quand tu dis, Seigneur, je t'aime, faire attention à ce que tu dis. Parce que tout ce que tu dis, Dieu est obligé de le tester. Et quand tu arrives à un moment compliqué et tu changes d'avis, c'est que ton amour n'était pas profond ou bien tu es encore en train de blaguer. Dieu est en train de chercher des gens qui peuvent vraiment donner. C'est pour ça que quand il a dit à Abraham, suis-moi, il a vu Abraham venir. Mais il voulait tester si vraiment c'était l'amour. À un moment, il dit à Abraham, donne-moi un peu ton fils là. C'est lui que tu aimes. Pourquoi? Je vais vérifier si ce que tu es en train de faire, c'est à cause de l'amour ou bien autre chose. Et quand Abraham a prouvé, Dieu dit maintenant je vois. Ça veut dire que j'étais en train de voir, de vérifier. Alors, quand tu donnes comme ça, Dieu dit d'Abraham, il dit je jure maintenant. Comme pour dire, ce que je t'avais dit va s'accomplir parce que tu es prêt à tout donner pour me suivre. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que Dieu, c'est pas parce qu'on a prophétisé que ça va arriver. C'est pas parce qu'on a dit que tu auras un niveau de gloire que ça va arriver. Tu dois être au niveau de prouver à Dieu que tu es prêt à tout donner pour que Dieu dise maintenant tout ce que j'ai dit doit s'accomplir. Pourquoi? Parce que si je te donne, tu ne vas pas quitter. Tu ne vas pas fuir. L'argent ne te va pas te pousser à me quitter. Les biens ne vont pas te pousser à me laisser. Ton cœur est déjà totalement offert. Bien-aimé, est-ce que vous pensez que la gloire de Dieu, c'est facile à la porter? Nous aimons la gloire de Dieu, mais est-ce que tu es vraiment prêt à porter ça? Est-ce que tu sais même ce que ça va te faire? Tu sais ce que la gloire de Dieu va te faire? À cause de la gloire de Dieu, Abraham devait suivre Dieu partout. Se séparer de son neveu. C'était son neveu. Se séparer de son neveu. À cause de la gloire de Dieu, les gens ont quitté des choses. Toi, tu es prêt à quitter quoi? À cause de la gloire de Dieu, Abraham s'est séparé de son fils. À cause de la gloire de Dieu, c'était la gloire de Dieu. Vous savez ce que sa femme pouvait penser? Un homme comme ça, tu sais combien d'années j'ai attendu pour avoir cet enfant. Et aujourd'hui, tu me dis, à cause de Dieu, tu veux aller le sacrifier. Vous savez ce que ça coûte d'avoir Dieu? Notre génération a vu l'église faire des choses. Mais je crois qu'elle a atteint un point où elle veut maintenant commencer à avoir un Dieu qui s'exprime. Et il y a un niveau de gloire qui fait que Dieu peut vraiment être à l'aise. Et c'est ce niveau-là qu'on doit amener. Et ça va nous... Ça exige une église qui est prête à tout donner, tout livrer, à aimer Dieu au point où rien ne peut t'empêcher, rien n'empêche Dieu de se manifester. Dis un peu la gloire de Dieu. Dis un peu la gloire de Dieu. Je dis qu'il faut avoir un cœur d'épouse pour atteindre ce niveau-là. Dans la prière, écoutez-moi, dans la prière, j'ai parlé de la prière de l'épouse. Dans la prière, ce qui compte vraiment, ce n'est pas vraiment ce que tu dis. Non, c'est qui tu es. Ce n'est pas le contenu. Tu peux avoir beaucoup de formules, dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut écouter. Ce que Dieu veut écouter, ce que Dieu veut voir, c'est la personne, c'est qui parle là-bas, c'est qui. C'est pour ça que vous voyez, quand on parle de prière, on ne parle pas des formules de prière, on parle des gens qui ont prié. Dieu préfère mentionner les noms des gens qui ont prié. Par exemple, dans le psaume 99, verset 6, la Bible dit Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. On n'a pas dit voilà ce qu'ils ont dit, mais on a cité leur nom. Donc on cite les gens, les noms de ceux qui ont prié. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là qui ont su avoir l'influence pour que Dieu réponde aux prières, pas leur formule. Tu ne peux pas aller voir qu'est-ce que Moïse avait dit. Mais au moins, on te parle de Moïse. Pourquoi? On ne te parle pas de ce que Moïse avait dit. On te parle de Moïse parce que si tu peux copier la vie de Moïse, copier les sacrifices qu'il a fait, copier sa consécration, copier sa sanctification,
peux aussi commencer à parler et le ciel commence à répondre. C'est ce que Dieu dit. Il dit, regarde beaucoup plus la vie de Moïse. Et tu pourras faire que Dieu écoute. Ce qui impressionne Dieu, c'est alors les personnes qui ont parlé. Les gens, moi je les appelle les influenceurs. Les gens qui peuvent influencer le cœur de Dieu. Aïe, 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 aïe. Les influenceurs. Les gens qui peuvent influencer. Des gens comme Moïse qui vient dire à Dieu, reviens de ta colère. Et puis dis à Dieu, réponds-toi de ce que tu veux faire. Dieu dit, je vous laisse comme mon feu. Non, Dieu. Moïse dit à Dieu, réponds-toi. Quelle influence? Je ne sais pas si quelqu'un me suit ici. Dieu dit, la colère va frapper. Mais à cause de quelqu'un qui a assez de poids, il pèse tellement devant Dieu que quand il dit, Dieu arrête, Dieu regarde, il dit, à cause de notre relation, ce n'est même plus vraiment ce que tu dis, mais cette relation compte trop pour moi. Ah! Ma relation avec toi est trop importante. C'est pour ça que Dieu dit l'épouse. Parce qu'il sait que quand l'épouse vient, tu ne peux pas frapper. Non, 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 mais comment? Tous les parents ici savent que même quand les enfants ont fait quelque chose, quand la maman intervient, ça devient difficile pour le papa. Mais je ne sais pas à qui parler. Oui, oui, oui. Quand la maman dit non, laisse seulement, laisse, laisse. Hein? Quand l'épouse dit laisse, on sait que même si tu étais vraiment arrivé à un degré d'enlèvement de la colère, ça veut dire que je suis tellement monté en colère jusqu'à ce que tu risques d'être enlevé. Même si tu atteins ce degré-là, quand la maman dit non, non, arrête, toi-même tu es dégonflé. Alors Dieu, il veut quelqu'un qui peut le dégonfler. Ah, vous ne m'avez pas compris. Là-bas, il me... mon Dieu, l'église de cette génération va faire que Dieu dit, ah, je voulais frapper, mais il y a trop de méchanceté. Mais ah, tu m'as dégonflé. Tu m'as dégonflé. Dieu va dire à quelqu'un, tu m'as dégonflé. Donne-moi un amen prolongé en avance. Prolonge un peu encore. Ah! Dieu attend une église qui a assez de poids sur le cœur de Dieu. Et tout, écoutez, pourquoi Dieu n'a pas envie de juger? Mais parce que mais il doit juger à cause du fait que c'est un juste juge. Et quand il y a trop de mal, voyez tout ce que nous voyons ici qui prend place dans notre génération. C'est qui a enlevé le background? Remets-moi le background. Excusez-moi. Dégonflez-moi. Vous voyez ce qui prend place autour de nous. Vous voyez la méchanceté. Les gens qui se tuent, tous ces dégâts-là, c'est un signe qu'il y a une porte ouverte de l'ennemi. Et quand Dieu voit le mal doit être puni. Il n'y a pas... Non, il est juste juge. Il doit punir le mal. Mais il ne veut pas le faire. Le bouclier, ce qui empêche les gens, le mal de continuer, c'est l'église qui a l'influence sur le cœur de Dieu. Bien-aimé, avec ton influence, tu peux monter dans l'avion et on dit que l'avion va tomber. Tu dis, Seigneur, avec moi ici dedans. Et les autres sont sauvés à cause de ton influence. Mais attendez, quand Dieu voulait frapper Sodome et Gomorrhe, Abraham dit non, non. D'ailleurs, même Dieu dit, est-ce que je peux faire ça sans dire ça à Abraham? Un ami avec lequel on a des secrets. Il y a des gens ici, Dieu te passe même, il frappe tout le monde et toi inclus. Oui, 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 oui. Oui, tu es surpris que tu es en plein accident, toi aussi tu es dedans. Parce que, écoutez, Dieu lui-même, il voulait aller. Il peut dire, ah, je ne peux pas faire ça sans dire à Abraham. Ça, c'est mon ami. On est trop intime où je partage tout avec lui.
Et puis là, et puis il dit à Abraham, écoute ce que je vais faire, tu me conseilles quoi? Dieu dit à Abraham, et Abraham dit à Dieu, mais est-ce que tu sais d'abord que tu es un juste juge? Un juge comme toi, est-ce que tu peux frapper les méchants avec le juste? Puis Dieu dit, non, tu as raison, tu me connais trop bien. Ah oui, 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 oui. Il connaît Dieu. Et puis alors, et puis il dit, bon, s'il y a 50 justes, tu vas le faire. Dieu dit non. Il négocie la vie de quelqu'un à cause de son influence. Écoute, ce n'est pas l'autre et serait frappé sans même qu'il sache qu'il était frappé. Il allait mourir avec eux. Ça veut dire qu'il y a des vies qu'on peut négocier. Lève ta main, je négocie la vie de ma famille. Je négocie la vie de mon quartier. Je négocie la vie des Parisiens, de la France, de ma génération. Dis un peu, je négocie. Père, écoute ma voix. Mon Dieu, écoute ma voix, je négocie. Ils ne vont pas mourir. Pas ma génération. Pas ma génération. Tu as été appelé par Dieu pour préserver. Préserver, préserver, préserver. Ils ne vont pas mourir aussi longtemps que nous sommes là. Non, non, ils ne vont pas mourir. Ils ne vont pas mourir. Ce qui prend place là, ça ne va pas continuer. Pourquoi? Parce que l'église s'est levée. Et nous sommes une église qui influence le cœur de Dieu. Appelé à récupérer notre génération. Je dis que ta génération ne va pas mourir. Tu vas négocier sur le cœur de Dieu et dire à Dieu, réponds-toi, papa. Non, non, réponds-toi. Réponds-nous, nous sommes encore là. Paul, Pierre a dit aux gens dans le bateau, il dit, ce bateau ne va pas noyer. Vous n'allez pas descendre. Pourquoi? L'ange de Dieu, Dieu que je sers, est venu me dire, je te donne tous ces gens ici qui sont dans le... Quoi? Dieu dit, eux, ils n'ont pas prié, il n'y a pas de problème. Mais comme toi, tu es là. Oh! Est-ce que tu comprends pourquoi tu as été envoyé dans cette génération? Le bateau peut noyer, mais les gens ne vont pas mourir. Il y a des choses qu'il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Et je vous dis, Dieu est tellement amour qu'il cherche vraiment des influenceurs qui vont influencer sa vie. Je les appelle influenceurs pour que tu comprennes qu'il n'y a pas que les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui cherchent à influencer et amener les gens, égarer les gens. Tu peux devenir aussi un influenceur, mais un influenceur du ciel, un influenceur qui influence le cœur de Dieu, qui fait « Ah, j'ai pas des influenceurs !» Dis un peu « influenceur !» Je répète, quelqu'un... Qui, tu sais que quand moi je vais devant Dieu, non, il doit écouter. Tu dois savoir ça. Mais pourquoi tu pries? Tu pries pour qu'il écoute. Et tu dois être conscient que quand moi je pars, c'est pour ça qu'il faut comprendre la place de l'épouse. Vous voyez, Mardochée est serviteur, mais c'est lui qui a découvert que le roi était tué, serait tué. Non, c'est lui qui a découvert qu'il y avait une mort certaine en Perse, le royaume. Il a découvert ça. Mais il sait qu'il ne peut pas aller négocier la vie des gens. Alors il envoie Esther. Il ne faut pas m'énerver. Il sait que la femme, l'épouse, ici, elle peut aller négocier. Et quand l'épouse est arrivée, Esther est arrivée, elle arrive devant le roi. Elle se tient bien. Payasata. Donc elle entre. Le roi dit, normalement la loi ne permet pas aux gens de venir comme ça. Mais quand j'étais regardé, payasa. Non, 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 non. Non, bien aimé, il y a des lois qui concernent d'autres personnes. Quand ils la lisent, c'est bien, c'est pour eux. Mais tu peux sortir de ces lois-là, toucher Dieu au point où tu deviens exemple. Vous savez, chez nous, à l'église, avant le culte, je ne vois personne, je me prépare pour parler. Et donc, personne dans mon bureau. Personne. Mais quand ma chérie vient, mon jardin, elle arrive à la porte, le protocole ne dit pas, oh non, quoi, non. Le protocole, dès qu'il la voit,
ils ouvrent la porte sans toquer. Et elle vient à l'aisement. Elle sait que j'ai le cœur de cet homme ici. Quand je... Vos lois là, c'est pour les autres là. Mais moi, c'est... cette loi ne me concerne pas. Toi aussi, il y aura des lois qui te concernent. Ramayaza, eya katasa. Ekato mayasaya. Hey! Donne-moi un amen prolongé. Prolonge encore bien. Assieds-toi, on va continuer. Quand David pêche contre Dieu, Dieu regarde et dit non, 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 là, là, tu as mal fait. Il faut vraiment qu'on punisse. Je suis juge, on doit punir. Alors il demande à David, quelle punition tu veux? Ça, c'est même quelle punition? Et des gens, on frappe même sans demander. Mais quand c'est David, vous voyez que Dieu traite David. Hein, il manage David. C'est pas n'importe qui. Il a influencé le cœur. Alors maintenant, quand on frappe, Dieu finalement vient conseiller. Mais pourquoi cette histoire me suit? Je vais à gauche, ça me suit. Moi, j'ai envie de vous regarder et ça passe devant moi. Non, excusez-moi, média, excusez-moi. Non, apôtre, le niveau est quand même élevé. Il y a des choses que... Il y a des choses auxquelles on n'est pas encore habitué. Tu vois comme ça? Kayama! J'étais où là? J'étais où? David. Ah, la punition. David dit à... Dieu dit, bon, écoute, tu sais très bien comment je sens quand je te vois. Mais là, vraiment, je dois punir. Tu veux comment? David dit, bon, si je tombe entre les mains des hommes, hé, les hommes, aïe, ils vont me finir. Il dit, non, non, toi quand même, tu as des compassions. Toi-même, punis-moi, donne-moi cette telle punition. Mais écoutez, quand l'ange est venu à commencer à frapper, David sort de la maison, il voit les gens en train de mourir. Il dit, mais Dieu s'est trompé d'adresse. Il dit à Dieu, attends, mais c'est moi ici qui ai péché. Ces pauvres bébés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu n'a jamais répondu à David. Donc la loi ne s'appliquait pas à David. Et écoutez, quand on va sortir d'ici, tu es en train même d'être exempte pour les autres lois là. Toi, tu reçois cette parole. Oh là! David dit, mais Dieu, attends, c'est moi. Dieu n'a jamais répondu à David pour lui dire pourquoi il a frappé tout le monde et lui l'a laissé. Mais moi, j'essaie de poser la question à Dieu. Je dis, Dieu, tu peux quand même me dire, David n'est plus là, mais on peut parler. Parle-moi, comment tu peux laisser David? Mais Dieu ne m'a pas expliqué, il ne m'a pas dit ça vraiment comme ça. Mais j'ai observé Dieu. J'ai vu Dieu en train de regarder David en secret. Dis à David, si je te frappe toi, qui va me faire les choses comme l'Éternel est mon berger? Je t'aime, mon cœur t'adore. Oh Dieu, mon cœur te cherche. Mon âme te cherche et soupire. Qui va me parler comme ça? Non, mais je ne peux pas te frapper. Continue. David, continue à me parler. Il y a des choses que tu fais pour Dieu. Il ne peut pas te mélanger avec les... Ah! Qui a peur? Il faut que tu comprennes que si tu n'as pas encore atteint le degré de te livrer à Dieu, tu vas mourir comme tout le monde. Non, parlons bien. Il faut plus. Écoutez, arrêtons de faire les grimaces là, de prétendre que non, Dieu est là. Non, 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 non. Non, non, amène vraiment Dieu. Ta famille là, les sorciers sont à l'aise, à l'aise, à l'aise. Toi, tu les as fusillés, mais ils sont toujours là. Non, mais à un moment, on se pose la question. Je dis, mais comment eux, lui, il te maudit une seule nuit, ça arrive. Toi, tu as lié 4 nuits. Et tu vois toujours des séquelles.
Non, vous savez, moi je pense que Dieu des fois laisse que les choses arrivent pour que ta soif augmente. Ça veut dire que tu te dises, ce niveau ici n'est pas bon. Il faut que j'atteigne un niveau où on peut négocier les vies avec Dieu. Mais il faut aussi, écoutez, moi je dis aux gens, quand est-ce que les sorciers de ta famille vont aussi commencer à te plaindre que toi tu es là? Parce que tu es tout en train de dire, les sorciers, tous les chrétiens, même les chrétiens se plaignent, les sorciers. Bon, maintenant moi je me dis, quand est-ce qu'eux aussi vont se plaindre? Il est là, depuis qu'il est chrétien, depuis que c'est chrétien dans terre, je me plains, on se plaint aussi, qu'on se plaigne aussi de toi. Ah, je ne sais pas à qui parler. Quand ils se réunissent, ils disent, on avait arrêté les mariages ici, arrêté les grossesses ici, les gens ne se mariaient plus, les gens ne mettaient plus au monde. Les gens... Et puis après, quand tu es arrivé, maintenant les gens se marient, maintenant les gens peuvent tomber enceintes, maintenant les gens sont augmentés, il y a la richesse maintenant. Ils disent, mais où est la pauvreté? Quelqu'un est arrivé qui avait un mandat de mettre l'influence sur le cœur de Dieu, maintenant les choses. Mon Dieu, je sens que les sorciers vont se plaindre. J'ai dit que je sens que les sorciers, ils vont se plaindre. Quand tu vas rentrer à la maison, ils vont dire, Seigneur, il est venu. Il est venu. Il y a un autre niveau de gloire. Tu changes. Les... Ah! Qui a peur? Donnez un prolongé. Kayaba. Non, moi je fais ça. Je vais quelque part et les sorciers disent. Je me rappelle une fois, on était avec mon jardin. On entre dans les trains. Je vois une femme qui commence. On n'avait pas de place, le train était plein. Il n'y avait pas de place, on était debout. Et puis on voit une dame qui. Ça, c'est quand ma chérie est arrivée. C'est quand tu arrives. Et puis moi, j'arrive. Elle dit, hein, toi aussi. Elle a fui. Elle a laissé la place. Je dis à ma chérie, voilà, tu peux te mettre maintenant. Il y a une place vide. Les sorciers vont vous laisser la place. Je parle à ça. Les sorciers vont te laisser la place. Ils vont te laisser la place. Donne-moi un amen prolongé comme quelqu'un qui. Ah, c'est un nom, on va parler. Parlons un peu. Kazarabaza. Quand ils ont vu David, quand David dit à Dieu, non, c'est moi. David dit, non, quand je te vois, toi, les choses que tu me fais, la façon dont tu te donnes à moi, j'ai cherché dans ces royaumes ici. Non, David, tu es même devenu un hôtel, une piste d'atterrissage pour moi. C'est à cause de toi que je peux venir dans ce territoire ici. Saül était là, il n'a jamais amené l'arche. 40 ans sans chercher Dieu. Comme des gens qui vivent, qui ne voient pas Dieu, ça ne leur dérange pas. Tu ne sens pas la présence de Dieu, ça ne te dérange pas. Tu es là, c'est moi où j'ai prié. Mais où est-il? Il est où? Saül dans le royaume pendant 40 ans. Il n'a jamais pensé à l'arche. David vient. Il dit merci pour le palais. Merci pour la royauté. Merci pour l'onction. Mais ce n'est pas ce que je cherchais vraiment. C'est toi que je veux. Tu es où? Il dit, donne-moi Dieu. Où est-ce qu'il est? Où on va le chercher? Il ne peut pas continuer. Je ne peux pas continuer sans Dieu. Et puis, bien aimé, il y a Dieu. Il peut être présent sans se manifester. Ce que lui voulait, c'est la manifestation. Dieu était présent, il était loin. Mais il dit, non, je ne veux pas ce genre de niveau. Je veux un niveau que le monde voit. Je veux un niveau où tu t'exprimes à l'aise. Tu es à l'aise. Dieu dit à David, non, toi tu restes. Si tu pars, je n'aurai plus d'endroit où venir. Toi tu me cherches. Une épouse passionnée. Dis un peu l'épouse. Dieu cherche à être influencé. Il veut être influencé. Dans Ézéchiel 22, 30, et elle me dit, je cherche parmi eux. Vous voyez, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi. Écoutez-moi très bien.
Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche. Ça veut dire ceci, que quand vous voyez le diable quelque part, ça veut dire qu'il y a une brèche. Mais ce n'est pas tout le monde que Dieu montre où se trouve la brèche. Vous n'avez pas compris. Vous avez compris. Il faut me suivre très bien. Il y a des brèches. Les brèches sont des portes qui sont ouvertes. Quand vous voyez des agitations parmi les hommes, ça veut dire qu'il y a une brèche. Et les démons sont entrés à travers cette brèche. Et ces démons vont influencer la masse, influencer les gouvernements, influencer les structures. Mais ils sont venus par une brèche. Alors maintenant Dieu dit, je cherche un homme qui peut se tenir à la brèche. Autrement dit, je veux quelqu'un à qui je peux ouvrir mon cœur, lui montrer le secret de où se trouve la brèche. Parce que je ne peux pas dire à n'importe qui où se trouve. Ça, c'est un secret. Je ne sais pas à qui je vais parler ce matin. Oh! Si je peux parler à quelqu'un, il dit, je cherche quelqu'un à qui... Il faut que je te montre exactement qu'est-ce qui a causé l'émeute. Écoutez, ça n'arrive pas comme ça. Ne regardons pas le physique pour dire, bon, il y a une... Non, 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 non. Il y a quelque chose, un mécanisme démoniaque qui a activé ce qu'on voit, les agitations là. Ça a été orchestré from the devil's, from the pit of hell. Ils ont ouvert les portes et ils ont fait sortir des démons. En masse, et ils ont commencé à agiter les gens. Vous pouvez leur poser des questions, peut-être qu'ils vous diront qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas. Je ne sais pas pourquoi je suis comme. Parce que bien aimé, le diable a un plan. Dieu aussi, il a un plan. Ce que le diable ne sait pas, c'est que Dieu a un plan. Et son arme fatale, c'est l'épouse. C'est pour ça que je crois que la révélation de l'épouse va de plus en plus se manifester dans ces derniers temps. Parce que Jésus revient pour une épouse. Donc ça veut dire qu'il est en train de la préparer et l'amener de gloire en gloire, de gloire en gloire, au point où elle atteindra un niveau de gloire que le monde ne pourra pas. La lumière sera trop forte pour arrêter les ténèbres. Une forte lumière qui arrête les ténèbres. Vous savez qu'une petite bougie ne peut pas vraiment allumer une salle comme celle-ci. Ce monde est trop grand pour les petites bougies. On doit amener une incendie. Pas de petits feux là. Ça doit prendre feu partout. On doit enflammer. Je ne sais pas quel mot utiliser. Donnez-moi un mot. Hein? Embraser. Ça doit prendre feu partout en désordre. Aïe! Kaya! Quand tu viens, c'est l'incendie qui vient. Ça prend feu. Tu touches un peu pendant quelques secondes, ça prend feu. Tu entres dans une maison quelques secondes, elle prend feu. Tu vas au travail, 2 secondes, ça prend feu. Toi, tu vas au travail, une semaine après, une bougie, on éteint tout. Tu commences à parler comme eux, à marcher comme eux, t'habiller comme eux. Tu es même devenu bizarre et tu deviens caméléon. Au travail, tu parles comme eux. Tu ris les fausses blagues là, les blagues malsaines là qui donnent. Et puis tu viens à l'église, nous t'adorons. Arrête! Dis un peu incendie. Dis un peu incendie. Bien même maintenant, tu es en train d'être incendié. Non. Je ne dis pas ça pour dire. Pendant que la parole sort, il y a un feu qui est en train de monter en toi. Il y a un feu costaud. Un feu. Dis un peu feu. Non, tu ne peux pas venir dans cette atmosphère rentrer comme tu es venu. C'est impossible. Je te dis que c'est impossible. Il y a un feu. Tu es en train d'être incendié. J'ai dit incendié. Payazotakama. Ah. Dieu dit, je cherche. Parmi eux. Parmi les chrétiens. Parce qu'il ne cherche pas les chrétiens.
Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. J'ai vu la brèche, mais eux ne voient pas. J'ai besoin de quelqu'un à qui je peux parler ou qui peut venir à côté et me chercher jusqu'à ce que je vais parler. Parce que c'est lui qui vient avec les prières de donne-moi la voiture, donne-moi la cravate, je n'ai pas le temps avec lui. Je cherche quelqu'un, je ne sais pas. Des prières comme ça, va, tu vas voir ta cravate. Mais je cherche quelqu'un avec qui on peut parler. Et on va parler des choses qui concernent les nations et qui concernent la génération. Aussi longtemps que tu fais cravate, va à Paris. Tu as dit à Paris, ils font le shopping. Oui, va à Paris où on fait le shopping. Mais ici, j'ai besoin de quelqu'un qui vient dans ma chambre, qui peut passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je soupire, je veux connaître ton cœur. Non, je veux connaître ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur-là? Enseigne-moi, parle-moi. Je soupire, je veux t'entendre. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi. C'est ce que je veux. Merci pour la royauté. Mais ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est toi. C'est toi. Je quitte mon lit. Je suis dérangé. Je ne peux pas continuer tant que je ne te vois pas. C'est toi que je veux. 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 La Bible dit que dans Genèse, il parle de l'épouse. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Moi, je ne pense pas que c'était ça, une malédiction pour la femme. Parce qu'il a dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais ton mari dominera. Quand il a dit mais, c'est pour dire que c'est normal pour une femme de désirer son mari. Mais l'homme là est confus. Il dominera sur toi. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. Et donc, Dieu sait que l'épouse a qu'un seul désir pour le mari. Elle n'est pas satisfaite tant qu'elle n'a pas le mari. C'est ce que Dieu désire dans l'épouse. S'il peut se trouver une épouse, pas une femme, une épouse. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont... Ah, vous ne voulez pas que je parle de ça? Bon, ok, vous me regardez drôlement, je quitte. L'esprit et l'épouse disent, viens. Disent, viens. L'esprit peut faire confiance à donner un fardeau comme celui-là à l'épouse. C'est qu'elle aime le mari. Quand l'esprit vient, écoutez, à la Pentecôte, il ne faut pas seulement penser que l'esprit est venu faire que les gens parlent en langue. Non. Nous aussi, les pentecôtistes, maintenant c'est tout ce qu'on cherche. Si quelqu'un parle en langue, il dit, maintenant ça va, il est plein. Hein? Il y en a même des langues là, quand tu entends, tu dis, ça c'est quelle langue? Non, même toi, tu sais que même la langue que tu parles là, c'est sec. Tu ne peux pas me dire que tu es plein de l'esprit parce que tu parles en langue? Non! Nous aussi, à Pentecôte, on peut arrêter ça. L'esprit a fait beaucoup plus. Quand il est venu, il a activé le cœur de l'épouse. Ces hommes-là qui étaient peureux, quand ils sont sortis, ils étaient maintenant prêts à tout abandonner pour Jésus. Il a dit, tuez-nous si vous voulez, mais on ne peut pas laisser ces dieux-là. L'esprit nous a embrasés d'un feu d'amour. Nous sommes incendiés d'amour pour ces dieux-là. On va le poursuivre partout. Même s'il faut qu'on meure, on le cherche. Avant l'esprit, ils fuyaient. Quand l'esprit est venu, leur vie, leur bien ne valait plus. Parce que l'esprit a activé le corps de l'épouse. Écoutez, l'onction, ce n'est pas se mettre la langue et faire tomber les gens. Non. Parce que le Saint-Esprit agit aussi sur ton âme, où se trouvent tes émotions. Et il est calibre à ce que Dieu veut. Oui. L'esprit n'ajoute rien à ce que tu as, mais il dynamise ce que tu as. Ça veut dire qu'il augmente la capacité et il calibre ça à fonctionner selon Dieu, au niveau de Dieu. C'est pour ça que Étienne, par exemple, quand il voit les gens le lapider, la Bible dit, il se met à genoux pendant qu'on le lapidait et puis il dit, Père, pardonne. Ça, ce n'est pas un homme normal. C'est un esprit calibré, un amour calibré par l'Esprit de Dieu qui peut commencer à pardonner des gens qui te lapident. Ce n'est pas normal. Non. Ça veut dire que l'esprit peut prendre tes émotions
et les calibrer au point où ton amour pour Dieu devient anormal pour les hommes. C'est ce que l'Esprit est venu faire. Te donner un amour de chercher Dieu avec passion. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Et puis il dit sur une terre aride et desséchée. Je vais terminer par ici et puis on va continuer ce soir. Hein? On va continuer ce soir. Ouais. Que Dieu vous bénisse en sa voix ce soir. Est-ce qu'on peut se lever? Levons-nous s'il vous plaît. Levons-nous s'il vous plaît. Oh Jésus. Je me livre totalement. Oh Seigneur. Je me livre totalement. Tu élèves ta voix. Oh Jésus. Je me livre. Tu peux. Ah, regarde lui, dis je me livre. Regarde un peu ton Dieu, tu dis je me livre. Je me livre. Tu peux. Oh mon Dieu. Lève ta voix, dis je me livre. Quelqu'un qui se livre. Tu peux. Tu peux. Je me livre. Ah, je me livre. Tu peux. Tu lui dis, je suis là, je suis là. Me voici, Seigneur, élève ta voix. Tu lui dis, me voici. Mon roi, je refuse de rentrer chez moi, à la maison telle que je suis venu. Je veux entendre les amoureux de Dieu parler à Dieu. Je veux entendre les amoureux de Dieu parler à Dieu. Élève ta voix. Kaya Rabazatama. Ah oui, dis à Dieu. Me voici. Je veux être parmi ceux-là qui influencent ton cœur. Je veux être parmi ceux qui influencent ton cœur. Je veux influencer ton cœur. Donne-moi d'être parmi ceux-là qui influence ton cœur. Y a-t-il des influenceurs? Kaya Bayaza. Hey! Élève ta voix. Ou que tu sois dit à Dieu, mon temps est venu. Le temps de te laisser la place. Le temps de te laisser agir. Pas mes sujets de prière, mais ton sujet de prière. Ton fardeau, ton souci. Où je soupire pour ta gloire. Pour voir ta main, pour te voir à l'œuvre. Je ne t'entends pas. Où es-tu, influenceur du cœur de Dieu? Parle. Cherche-le. Baya raza bayaka. Hey abaza. Hey katayata. Sata katata. Resatama. Que ton corps soit incendié. Incendié.
incendiée. Sakayataba, je sais. Les kayayakataba. Laisse que ton corps soit incendié. 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 Sois embrasé. Sois embrasé. Embrasé. Oh mon Dieu, tu es où? Où es-tu? Influenceur de Dieu.